Hi, we're in Nyantong village and nous sommes au village de Nyantong et on voulait vous présenter quelques produits agricoles, c'est ça non? Ok, approche-toi. Donc on est chez Oumar Ondessing, c'est un membre de Slow Food à Nyantong, ici dans la région. Et ça c'est le directeur de programme de Radio Tabou, c'est Labaran, qu'on aimerait vous présenter. Donc ici on va vous présenter aussi le manioc qui est cultivé au-delà du cacao, qui est produit ici et d'autres produits de Guyane. Donc ça c'est la saison de manioc. So this is the season of cassava, so it's a root that comes from that people cultivate here. Alors tu peux nous expliquer comment la farine de manioc est faite? Ouais. Bon, quand vous voyez ça comme ça, ça commence d'abord par les boutures. On fait d'abord les sillons, les buts. On prend d'abord les butus. Dès que ça pousse, ça fait environ au moins 6 mois, 1 an, pour que les tubercules sortent. Okay. On va maintenant éplucher ça. On épluche, on trempe dans l'eau. On peut tremper pour 2-3 jours. On enlève ça, on fait sécher ça au soleil pour 2-3 soleils. On enlève ça, ça devient maintenant la farine qu'on nous mangeons pour notre nourriture de base. Okay. So Omar is explaining this process of how we make cassava. So cassava is made, it's a root that is being planted and then take care of, and so it's been removed from the ground and then processed and put in the water for 3 days. It gets softened and then they take the root out and press the water and dry it, and then it become in this form that they can use it to eat. Alors, pourquoi il y a autant de sacs? Pourquoi on n'a pas encore livré en ville? Qu'est-ce qui se passe? No. I'm asking you why there's so many bags and then it's been waiting here for many days. Vous expliquez, monsieur Labaran? Je pense également que si on a pu récupérer ce sac de manioc, c'est compte tenu des transporteurs. Donc, il manque d'occasion pour que ça aille au niveau de la ville pour la vente. Ok. So, Labaran, the director of a program of Radio Tabou, is explaining that the bag is waiting here because we have a transportation problem. They have a transportation problem, so they're waiting for any big truck to pass by so they can upload it and go sell it in the city. So there's a lack of organization to get the crops to the city. That's all. Un dernier mot? Oui, le dernier mot, c'est que je pense également à ce que nous voulons juste fonctionner avec Slow Food. Alors, en fonctionnant, donc, concrètement, nous avions beaucoup de nourriture ici-là qui pourrissent. Oui. Mais il nous manque parfaitement ce qu'il peut prendre pour la consommation. Ok. So he's saying that they need formation, they need training to take care of the crop because there are a lot of crops that have been rotting here and then they can't take it to the city. Ok, so that's all. Au revoir donc. Il faut faire le zoom ici. So we want to show you how cassava is. You know, so cassava is this type of roots. You know, it's been grounded, mixed with water to make corn. Okay, it's mostly very, very organic. Okay, bye.